Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de Vlogtober. Trop chouette, 1er octobre. C'est mon anniversaire. Voilà, donc bah écoutez, une première journée d'octobre bientôt terminée, hein, mais une première journée d'octobre plutôt digne d'un mois d'août. Il fait très beau, très chaud. Aujourd'hui, donc ça nous a permis d'aller nous promener un petit peu. Rien d'exceptionnel, mais il y avait un petit marché artisanat, enfin bon bref, pas très loin de chez nous. Donc on a été faire un tour pour acheter de la confiture, du miel, vous voyez, toutes des choses, et du jus de pomme artisanal. Et puis après, bon, on a été se faire une petite balade. Je pense que je vous aurais mis, juste avant ce blabla tricot, quelques images, voilà. Et puis, c'est rigolo parce que du coup, comme c'est des endroits où on va assez régulièrement se balader, peut-être qu'on y retournera dans le mois et on verra un petit peu le changement dans les couleurs des arbres, etc. J'imagine, en tout cas, j'imagine. Et puis, j'en ai profité aussi là pour... lors de ma petite balade, ramasser un tout petit peu de petites fleurs que je vous aurais mis en pareil dans les images. Et donc c'est une petite fleur jaune qui s'appelle de la tanaisie. Et c'est marrant parce que je lisais des trucs tout à l'heure sur la tanaisie et sur les propriétés de la plante, etc. Et apparemment c'est un antimite. Le saviez-vous? Moi non, en tout cas. Voilà, moi c'était plus le côté, je m'étais peut-être dit que j'allais essayer de le faire, sécher pour avoir un petit bouquet, tout ça. Mais je crois que ça sèche pas jaune, ça sèche, ça devient marron quand ça sèche. Donc voilà, pour l'instant elle est avec de l'eau et fraîche et en déco. Un petit peu pour apporter un petit peu de lumière encore dans le salon, même si vraiment on n'en manque pas vraiment aujourd'hui. Il y avait une boîte à livres, pas mal boîte à livres. J'ai pris deux petites choses. Un thriller, Lisa Gardner, La Vengeance aux yeux noirs. Bon, voilà. Pourquoi pas. Et Fanny Flagg, Miss Alabama et ses petits secrets. Alors là, c'est vraiment, c'est la couverture où je me suis dit, ah bah ça fait très, très automne. Et Fanny Flagg, c'est l'autrice de Beignet de tomates vertes. Que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, ça me faisait deux petites lectures faciles, rapides. Je prends ça, ça me tentait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter sur ma journée? Bah alors donc petite journée d'anniversaire. Même si on a commencé hier, on s'est fait un bon petit resto tous les cinq hier soir. C'était trop bien. On a hyper bien mangé, donc c'était chouette. Et puis ce matin, bah, j'avais ma vidéo, mon podcast du jour là qui sortait. Donc bah, merci beaucoup pour tous vos retours, vos commentaires, les petits messages d'anniversaire. Ils ont été très nombreux aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, vraiment beaucoup. Et puis bah, tous ceux aussi qui me connaissent dans la vraie vie, j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais très contente. J'ai même reçu des petits cadeaux. J'ai reçu des patrons sur Ravelry de votre part. Donc, ben, un grand merci. C'est vraiment trop gentil. J'ai ma petite Pauline qui m'a offert un patron bon, qu'on ne présente plus, hein, le Vertices Unite, ce châle de Steven West, un petit peu modulaire, bref. Et bah, de suite, je suis en train de réfléchir à des associations de couleurs, etc. Parce que il y a quelques temps, je pense que je vous l'avais montré pour ceux qui me suivent assidûment, j'avais reçu en cadeau vraiment un gros colis contenant des restes de laine à chaussettes, principalement. Vraiment magnifique. Enfin, je suis toujours pas revenue de ce colis merveilleux. Et notamment dans ce colis, j'avais des coloris, moi, qui m'avaient un petit peu... Voilà, qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil, où je m'étais dit, tiens, ça pourrait être pas mal, ça, ensemble. Je pense que ça va pas rendre grand-chose que je vous les montre comme ça. Mais voilà, donc, je me suis dit, toutes ces petites choses-là que j'avais déjà mis de côté, si je leur adjoins
un écheveau que j'ai dans mon stage depuis fort longtemps, qui n'est pas un écheveau de laine à chaussettes et qui est un écheveau solitaire. je me dis bah ouais, ça pourrait peut-être fonctionner. Alors je trouve que ça fonctionne bien parce que je crois que les sections sont souvent tricotées avec deux coloris ensemble. Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ça, c'est peut-être plus discret, mais ça fonctionne bien aussi. Enfin, oh là là. Donc voilà, je trouve qu'il y a une sorte d'harmonie quand même dans toutes ces couleurs-là et ça pourrait peut-être être une bonne idée. Je vais y réfléchir. Alors, c'est pas maintenant hein, que je vais monter ça puisque je pense que si vous avez vu ma vidéo, mon podcast du jour, vous avez vu que j'ai quand même du pain sur la planche pour ce mois d'octobre, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vraiment beaucoup de trucs que j'aimerais bien avancer, voire terminer. Dans ces choses, ben d'ailleurs, ben je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai progressé là ces derniers jours. Il y a donc mon Sugar Bush. Ce que je vais vous les représenter à chaque fois, non, peut-être pas quand même. Hein, le pull que je suis en train de faire en ce moment pour ma petite dernière. Bon, ben, quand je vous l'ai montré la dernière fois, hop, on était là. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je vous avais dit, mon objectif, c'est d'aller au bout de la pelote avant d'attaquer les manches. Bon, bah ça, ce soir. Hein. Ce soir, je vais au bout de cette pelote histoire de pouvoir, dès demain, commencer à tricoter un petit peu les manches. J'avais pas mis mes petits bloqueurs de mailles. Voilà. Ils viennent de chez Mademoiselle Pluche, ceux-là. Par contre, je pense que pendant ce mois d'octobre, pendant les Vlogtober, je ne vais absolument pas avoir le temps de vous mettre en dessous des vidéos, les liens vers les boutiques, etc. Si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous répondre aussi rapidement que possible. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir mettre les liens. Donc juste pour dire, ça, ce sont des petits bloqueurs que Solène, Mademoiselle Pluche, m'avait offert. Donc voilà, et qui servent bien, je trouve, ça évite que ça abîme les tricots. Donc, non, franchement, il reste rien. Hein. Il reste, allez, 4-5 rangs à faire et ça sera parfait. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je termine ce soir, vous l'avez peut-être vu aussi dans les images juste avant. J'étais en train de regarder le podcast de Lauriane. C'est mon rituel du dimanche. C'est le podcast de l'eau demoiselle de Lauriane. Et j'ai dû arrêter puisque j'ai reçu quelques coups de fil entre-temps de ma famille pour mon anniversaire. Donc, dès que j'ai fini, je m'y remets, je tricote un petit peu ou je commence le montage de cette vidéo. Il va falloir faire des choix pour ce mois d'octobre, je vous le dis. La deuxième chose qui a vraiment bien avancé hein, depuis la vidéo, depuis le podcast, c'est la deuxième petite chaussette de cette mini paire là que je suis en train de tricoter. Je pense que quand je vous en ai parlé dans le podcast, j'avais terminé la tige. Et voilà, c'est quasiment terminé. Je suis en train de faire les orteils et pareil, il me reste à peine quelques rangs de diminution. Donc ça va être pareil, terminé tout vite. Et restera plus que les fils à rentrer. C'est beau, c'est trop joli. Qu'est-ce que j'aime les diminutions de gousset. Je trouve que c'est toujours trop beau. Donc voilà. Encore une chose sur laquelle j'ai plutôt bien avancé. Parfait. Et puis la dernière chose que j'ai fait, vous avez probablement vu là dans la vidéo, c'est mon petit carré sur ma couverture de reste. Maintenant, faut-il encore que je le retrouve? Si, c'est facile, il est là. Voilà, c'est celui-là que je viens de faire aujourd'hui. Hop, celui-ci, avec un reste de laine Régia. Dont je m'étais servie pour faire des chaussettes que j'ai offertes à une copine. Donc, pour aujourd'hui, on est bon. Je vais de suite remonter le carré suivant, parce que je trouve que, voilà, comme ça, c'est prêt. Je peux remettre dans le sac et ça repart. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le... Je vais mettre
sors la couverture. Mes restes, ils sont là-dedans. Je vous ai déjà montré. Eh bien, écoutez, je crois qu'il s'est tiré tout seul. Voilà. Désolée. Oh, c'est le reste de mon... de mon Rocketti, voilà, que j'ai tricoté là au mois de juin. Donc bah, c'est celui qui va venir ici, je vais le monter tout de suite. Et la deuxième chose que je voulais faire, je ferai ça comme un petit rituel avec vous. Je crois que tous les jours je tirerai le coloris du lendemain, du carré du lendemain. La dernière chose que je voulais faire, c'est que pour l'instant, donc pour... ces petits carrés sont faits, donc il y a des diminutions à faire avec centré, on va dire. Et pour savoir où est le centre, il faut mettre un petit anneau marqueur. Donc jusqu'à présent, et parce que c'était... bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas changé. Hein, printemps, été, j'avais ma petite fleur qui... pas floue, ça serait mieux. Donc voilà ma petite fleur. Et là en fait, j'ai envie de piocher parmi mes petits marqueurs d'automne. Un petit marqueur qui serait un petit peu plus approprié à la saison. Je pense que je vous referai un... Est-ce que je vous referai un petit visuel de mes marqueurs? J'en sais rien. Alors regardez, je pourrais par exemple prendre... ce petit escargot là, vous êtes où? Vous êtes là. Qui a l'air bien rigolo. Ouf. Et je pense que je vais plutôt partir sur ça. Les champignons. Ah, mais oui. Les petits champignons, j'avoue qu'ils sont vraiment bien trop mignons. Mon Dieu, je vais me faire un combo. Je vais prendre les champignons et je vais prendre mes petits arêtes mailles là. Alors du coup, j'en ai pas besoin de deux, j'en ai besoin que d'un seul puisque j'utilise maintenant mes aiguilles ou je me les garde pour un prochain projet sur lequel je vais travailler, je ne sais pas. Oh, que de décisions, c'est terrible. Donc je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais changer de marqueur. Je vais monter tout de suite mon petit carré de demain. Oh, il y a des belles petites choses quand même par ici. Hein. J'ai vu... Ça, c'est un petit marqueur aussi, vraiment trop mignon, de chez Madame Manon. Et j'ai vu notamment qu'elle avait là un petit lot de 3 marqueurs avec une sorcière, un renard et tout. J'ai trop envie de craquer, mais... Est-ce raisonnable? En même temps, est-ce qu'on a besoin d'être toujours raisonnable? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça me... Si vous ne connaissez pas sa boutique, son univers, c'est très très mignon aussi. Je suis parée avec mes petits champignons. Je vais de suite monter mon carré. Et puis, je vais après aller profiter un petit peu quand même de ma famille avant d'attaquer le montage. Parce que je crois que j'ai ma grande qui est en train de préparer le repas pour ce soir. Et je sens que ça sent le gâteau aussi. Donc, voilà. Mes enfants m'ont bien gâtée parce que j'ai mon fiston qui m'a offert un petit collier. Et j'étais très contente qu'il me fasse un cadeau parce que quand on a 14-15 ans, alors peut-être pas tous les enfants hein, d'ailleurs, mais voilà, je pense qu'il pense à d'autres choses qu'à sa maman, voilà, mais j'étais très touchée qu'il ait pensé à moi aujourd'hui. Et puis mes fifis m'ont offert une coque pour mon téléphone parce que j'avais une coque qui était dans un piteux état. Et voilà, donc elles m'ont fait ce petit cadeau-là. Et en plus, bon bah, elles connaissent bien leur maman, hein, elles ont choisi du rose. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir aussi. Et puis, voilà, peut-être, oui, je pense que pareil, j'ai vraiment tout mis. Hein, j'ai pris des images de tout aujourd'hui, comme ça. Je me suis aussi offert une petite paire de baskets. Voilà, achat utile et plaisir parce que mes baskets, je pense que je les avais depuis déjà plusieurs années, elles commençaient à fatiguer, donc c'était l'occasion de et me faire plaisir et me gâter pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai une jolie petite paire de chaussettes pour on sent la matrice de chaussettes, de nouvelles chaussures pour cet automne.
Je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec de nouveau hein, des petits trucs d'automne et un peu de tricot. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous pour tous vos vœux d'anniversaire. Je sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi j'en parlais ce matin avec mes copines puis avec ma sœur tout à l'heure au téléphone. Je trouve que j'apprécie de moins en moins en fait mon anniversaire les années passant. C'est dommage, mais voilà, le fait de vieillir, c'est un peu compliqué. Et je sais pas, voilà, c'est pas forcément une journée pendant laquelle je me sens forcément bien. Par contre, je sais que ça reste quand même, ça marque le début du mois d'octobre et j'adore le mois d'octobre, c'est vraiment mon mois préféré. Donc bon, ça reste une entrée dans le mois d'octobre qui est quand même plutôt sympa. Puis là, oui, de voir que mes enfants ont pensé à moi et tout, c'est vrai que bah, ça touche quand même beaucoup. Voilà. Allez, j'arrête de blablater de tout, de rien. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. À demain.